Bonsoir, bienvenue à L'Oreille qui gratte, votre rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Une émission que vous retrouvez sur Agora Côte d'Azur tous les samedis entre 20h et 21h. Agora Côte d'Azur, c'est sur le 94 à Cannes, 94.1 à Nice, 88.9 à Menton. L'Oreille qui gratte, c'est aussi une web radio, www.loreillequigratte.com, www.loreillequigratte.com. Sur cette web radio, vous retrouvez 24h sur 24, 7 jours sur 7, du rock indépendant, de la musique pas comme les autres. L'émission L'Oreille qui gratte est diffusée à 3 reprises sur la web radio, les jeudis à 21h, samedi à 17h et dimanche à 10h. Ce soir, exercice difficile pour moi, je dois parler lentement. Oui. Ce que je ne sais pas faire. Car nous recevons Célina Martin. Bonsoir Célina. Bonsoir, c'est un plaisir d'être ici. Oh, c'est un plaisir partagé. C'est la deuxième fois que tu viens. Tu étais avec nous il y a 3 ans à peu près. Oh, vraiment, 3 ans? À peu près, je pense. Wow. On va rechercher la date si tu veux. Et. Et on avait été venu avec l'ami Belchior et on avait passé une superbe soirée. On avait découvert ta musique et on piaffait d'impatience de te retrouver. Et il a fallu qu'on attende la crise sanitaire pour mettre nos agendas à jour et se retrouver. Célina, tu es avec nous pendant toute cette heure. On discutera de tes projets, on t'écoutera en acoustique. Tu partiras sur une île déserte, il t'arrivera plein de choses. Il y a Jacob de la MJC Pico qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre. Tu es le bienvenue, Jacob, bonsoir. Ben, merci de me recevoir à nouveau. C'est aussi un plaisir d'être ici, comme à chaque fois. Tu connais le chemin, tu viens vraiment quand tu veux, parce que on t'adore et on adore le travail que tu fais à Pico pendant la crise sanitaire que nous avons traversée. Pico était un des seuls endroits où il se passait encore des choses. Et donc vraiment, merci pour le travail que tu fournis à Pico. Mais je ne suis pas tout seul, on est toute une équipe. Tu as bien raison que vous fournissez à Pico, tu as bien raison. Derrière les manettes, c'est Arthur. Bonsoir Arthur. Voilà Arthur qui fait le son. Et ce soir, ça ne devrait pas être trop compliqué puisque Célina est toute seule, alors qu'il y a 2 semaines de ça avec OGIOX, c'était pas la même histoire, mais on a passé un très 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 bon moment. Voilà, je crois que j'ai déjà tout dit. On va pas écouter le jingle, à la différence de ce que je t'avais dit, Arthur. On va démarrer tout de suite par un extrait de Célina Martin, comme ça vous comprendrez tout de suite de quoi on parle. Tu nous dis ce qu'on écoute, Célina, là? C'est une chanson de mon dernier album, nommée The Addicted. C'est une chanson avec. Il sera tellement différent que les chansons que je joue en solo ici, en acoustique. Il y a beaucoup de. Trop beaucoup de tracks. How many? I don't know. Comment dire en français? Piste. Ah, merci. Et Jacob, il n'est pas seulement sympathique. Je ne suis pas bilingue, mais je me débrouille. Et c'est un peu comme je suis en train de faire un album pendant l'an dernier à distance. Et j'ai peut-être un peu trop beaucoup de temps avec beaucoup de tracks et beaucoup d'arrangements et beaucoup de. Mais c'est un peu comme ça. Donc voilà. Eh bien, on écoute tout de suite ce morceau sur Agora Côte d'Azur. Big boat.
Voilà, Célina, donc tu m'expliquais hors antenne que c'était sur un album qui est sorti en 2016. Ah oui. C'est bien ça. Oui, oui. Et puis après ça, j'ai déménagé en France l'année après. L'année qui a suivi. L'année qui a suivi. Merci. L'année suivante. Voilà. L'année suivante. C'est une leçon française ici pour moi aujourd'hui. Et puis, depuis ce temps, j'ai commencé à écrire pour mon prochain que je suis en train d'enregistrer maintenant. D'accord. Et donc, tu as déménagé, tu étais en Australie, c'est ça? Non, ici, en France. Oui, non, mais quand tu as déménagé après 2016. De Canada. D'origine. Canada. Et oui, Canada. Non. Trop loin. Pour nous, c'est presque aussi loin. Donc, l'album à venir sera le premier album français. Tout ça, c'est tout ce qu'on écoute jusqu'à présent, c'est inspiré par le continent américain. Dis-moi encore une fois, s'il vous plaît. Encore une fois. Est-ce que le fait d'être en France a changé ta manière de composer? Ah oui. Il a changé un peu les choses. The things I wrote about. The things. Les sujets que tu as abordés. Merci. Parce que avant le COVID-19, j'ai commencé d'écrire les chansons de solitude et d'être toute seule et d'être avec pas beaucoup de gens autour de moi parce que j'étais ici seule. Et c'était un choix d'être seule comme ça. C'était un choix de laisser ma famille, mes amis au Canada pour avoir pour je pense que c'est le chose le plus important pour un artiste pour tout le monde, pas sauf les artistes. Pour nous sommes seuls dans le monde, donc pour explorer ça profondément un peu. Et puis et puis après 2 ans, j'ai dit oh, okay, ça suffit. Et puis le COVID-19 est arrivé. Il est arrivé, donc. Enfin, encore que c'est féminin, mais. Oui. Mais écoute, très bien. Et tu as démarré la musique à quel âge? J'ai commencé à écrire les chansons quand j'étais 6 ans, je pense. Ah oui. Oui, sur le piano de ma mère dans la maison de notre ferme. Donc nous avons, moi et ma famille, on chantait autour de la piano une fois par semaine des chansons très fortes et des chansons. C'était fun. Donc et avec une amie. Un ami qui était une voisine. J'ai écrit les petites chansons de country music, les chansons comme ça, les chansons faciles à écrire sur le piano avec 2 cordes, avec choses comme ça. D'accord, donc tu as toujours baigné, été dans la musique. Oui, je pense que oui. Bah oui, si. Puisque tu dis l'âge de 6 ans, on peut te dire que c'est depuis toujours. Tu as choisi la France par hasard? J'ai passé un an ici il y a 30 ans pour un échange étudiante. J'ai passé un an sur un campus, sur une colline en haut de Villefranche-sur-Mer. C'était nommé Université canadienne en France. Il n'existe plus. Oui. Maintenant, c'est un lieu pour les mariages. Et pendant ce temps, j'ai dit, je vois, il faut que je revienne. Il faut que je vis ici. Donc, il a pris 30 ans. Mais tu es allé au bout de ton idée. Oui. Tu peux te lever pour nous faire, s'il te plaît, un premier morceau en live. Oui. Célina Martin, que nous recevons ce soir à Agora Côte d'Azur pour l'Oreille qui gratte, pour une session live. L'Oreille qui gratte, c'est tous les samedis entre 19h10 et 21h sur Agora Côte d'Azur.
Célina est en train de s'installer, mais vu qu'elle est toute seule, ça devrait être rapide. Voilà, elle finit de s'accorder. Célina, tout de bleu et de rouge vêtu, qui met son masque. Et bah écoutez, c'est parti. Célina Martin en live sur Agora Côte d'Azur. Martin, que nous recevons ce soir pour l'oreille qui gratte. Célina, c'est un... Célina ne doit pas m'entendre parce qu'elle est avec son casque, je pense. C'est un morceau récent, c'est un morceau français, ça, ou c'est encore un morceau québécois? Non. Québécois, bah, canadien. Bah, je ne viens pas de Québec. Oui, canadien, mais, ouais. Non, j'ai écrit ça dans mon appartement à Cannes. C'est une chanson de perte, sur le manque de quelqu'un. C'est une chanson que j'ai écrite après que j'ai entendu de la mort d'une chanteuse écossaise qui a eu un groupe, Frightened Rabbit. Il s'appelle Scott Hutchison. Il a été suicidé dans l'océan. Et cela m'a fait tellement triste. I don't know him. Je ne lui pas connais. Je ne le connais pas. Je ne lui connais pas, merci. Et, mais... J'ai pensé de sa famille, de son famille, sa famille, de sa groupe, de ses amis, son groupe, ses amis, sa femme. Et j'ai écrit Since You're Gone. Comme, voilà. D'accord. Mais écoute, merci. Ça rend le morceau encore plus émouvant, je trouve. On poursuit oui. La session, Célina, que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte.
ceci est, mais avec une énergie différente. You say you love me, but you never give me your heart. You leave me wondering, wondering when we're apart. Now the way I feel is tipped over like a Ferris wheel. I keep spinning around. Exchanges are made every time that you look in my eyes. Take your attention, then you get to play with my pride. Zadoo, you got secret rules in your forehead, and they're in the air, but I'm on the ground. My, your face goes long when I call you home, but you're always gone and it swings me down. Do 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 do. Viens avec moi, je peux te montrer mes besoins. N'ayez pas peur, ils ne sont pas plus gros que les tiennes. Badou, mettre un petit truc dans mon océan, ce n'est presque rien, mais ce sera profond. Je suis ici, tu es là. Je suis ici, tu es là. Si tu es là, oh la la, your face goes long when I call you home, but you're always gone and it swings me down. Do 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 do, do do da, ba da do da 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 do da, do da do da do, do do da, ba da do da 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 do da. Ooh, there was a man, was a man. See yesterday, still as a stone, looking back in some uncertain way. Is he part of you, like the ocean? Is he made of will? Am I made of sound? Ooh, ooh, you say you know me, but you don't remember my. Stacy, I'll still feel the same. Badoo, because you make me feel like the only place to get a meal in this shitty town. Your face goes long when I call you home, but you're always gone and it swings me down. Merci à toi, Célina. Tu peux, s'il te plaît, te rasseoir pour qu'on continue à discuter avec toi. Donc là, tu t'essaies au Talking Heads avec Psycho Killer, un peu de français, un peu d'anglais. Ah oui, comme ça, mais un peu de. Oui, j'essaie d'incorporer un peu de français, bien sûr, dans quelques chansons. Si je peux, je suis aussi. Ouais, j'ai essayé de traduire entièrement une chanson en français avec Melchior, ouais. Bien sûr, mon ami, chanteur français. Et bah, c'était encore en train de
C'est un grand travail de faire les traductions pour être poétique, pour avoir la sensibilité de chansons, pour les mots, les bien mots, les bons mots. C'est moins mélodieux, le français. Ah oui? Bah oui. Ça sonne moins bien. Non, ça dépend. Ça dépend. Il faut choisir les mots que je peux chanter, que je peux prononcer. Donc, depuis que tu es en France, tu es une artiste solo? J'ai un groupe au Canada, oui. Et j'ai commencé d'avoir un groupe, un Eurogroupe, avec une batteriste d'Irlande et une bassiste de Pologne. C'était difficile de faire les répétitions. Mais nous avons, juste avant le COVID-19, j'ai commencé à répéter à MGC Pico. Il y a une salle de répétition que j'ai louée pour plusieurs fois pour répéter avec mon nouveau batteur. Merci. Et nous avons fait une tournée en Pologne et une petite tournée en Irlande. Et puis après ça, c'était février de l'an dernier. Après ouais, ça, donc COVID. Oui, voilà. Donc. Donc tu tournes en dehors de la France. Oui. Parce qu'en France, il y a moins de salles, il y a moins de lieux. Il y a des règles différentes ici en France pour... je ne sais pas exactement tout ça, comment ça se fait. mais j'ai joué en France juste en solo dans les petits bars, les petites salles et quelques fois dans les grandes salles, mais c'est... I don't belong to... Comment dire ça? T'es pas encore repéré dans le réseau, peut-être? Oui, et je pense que pour être payé, il faut avoir une organisation pour faire le paperwork. Donc, il y a des choses que je... Oui, ce que tu veux dire, c'est vrai que c'est pas faux. C'est que là, il y a une réglementation en France qui est très, très, très draconienne. Sur le salariat des artistes, etc. Oui. Il y a une loi qui est sortie en 2016-2017 qui régule un petit peu la notion d'artiste amateur, mais c'est un peu compliqué. Après, être programmé dans les salles de concert, c'est aussi pas mal une histoire de réseau. Et si, en ayant un batteur irlandais et... polonaise. Et une bassiste polonaise, voilà. Forcément, tu as certainement utilisé les réseaux de ces gens-là pour aller tourner en Irlande et en Pologne. Exact. Et en fait, voilà, ce qui te manque peut-être en France, c'est justement de tisser ta toile, quoi. Oui, il faut que je trouve un batteriste et un bassiste français. Voilà. Ça sera plus facile sera maintenant. Oui. Un de Paris et un de Bordeaux, comme ça. Tu voilà. Donc, puisque Célina a répété chez toi, c'est pas ta maison, mais à l'endroit où tu travailles, où tu coordonnes, où tu es directeur artistique, je sais pas exactement quel est ton... Mon titre exact, c'est programmateur. Programmateur, mais aussi, voilà, le sinon, oui, on peut dire que je suis directeur artistique. Je trouve que c'est un peu pompeux. Non, puis en plus, j'aime vraiment pas le boulot d'un directeur artistique, enfin, tel qu'on peut l'imaginer dans une boîte, dans une maison de disque ou quoi. Mais je suis le responsable du secteur des musiques actuelles de la MJC. D'accord. Effectivement, tu as croisé Céline. Pas directement. Ouais. Pas directement. En fait, quand Céline est venue répéter donc au local, qui est pas dans la MJC Pico, en fait, c'est Rangin, dans le quartier de Rangin, c'est à 5-6 bornes de la MJC. En fait, c'est Victor qui est notre régisseur, si nous écoute, je le salue, qui est notre régisseur qui s'occupe du local de répétition, qui m'en a parlé en fait, parce que régulièrement je lui demande quels sont les artistes, quels sont les groupes qui seraient susceptibles d'un jour pouvoir faire une première partie ou faire partie de notre processus d'accompagnement d'artistes. Et très très vite, il m'a parlé de Célina. Ouais. Donc oui, j'ai écouté, je suis allé voir son site internet, je me suis dit, tiens,
Une artiste comme ça à Cannes que je ne connais pas. Qu'est-ce que... Donc après, voilà, il m'a dit que Céline a été beaucoup entre le Canada et ici. Et au moment où il m'en a parlé, c'était justement au moment où tu étais plus au Canada et qu'on ne savait pas quand est-ce que tu allais revenir à cause de la crise sanitaire. Mais voilà. Oui. Donc, maintenant que tu es revenu. Mais j'ai pas. On va peut-être pouvoir bosser ensemble. Voilà. Et ben, Jacob fait son travail. Il vient t'écouter dans toutes les conditions et notamment dans les conditions acoustiques de l'oreille qui gratte. Voilà, Pico. Oui. On en parlera sans doute dans la prochaine émission avec toi, Jacob, de Pico et de ce que vous avez fait pendant la crise sanitaire. Mais une fois de plus, c'était extraordinaire tous ces concerts en streaming que vous avez fait chaque semaine. Et c'était. Voilà, c'était. Il y a une chaîne de télé qui s'était créée comme ça, là, pendant le Covid. Comment elle s'appelle la... Culture Box. Oui, exact. Ouais. Qui s'est créée que pendant le temps du Covid. Elle doit s'arrêter au moment où ça sera fini, ou pour mettre en avant des artistes en live. Et malgré tout, c'est ce que vous avez fait à Pico. Et quand je regarde Culture Box ou que je regarde tes concerts, vos concerts du samedi ou du vendredi, la plupart du temps, je trouve que la qualité est similaire. Et donc, vous avez vraiment fait un travail incroyable pour continuer à laisser vivre tout ça. C'est gentil. On a juste pas la même force de frappe qu'une télé de la TNT. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard. Oui, on en parlera dans la prochaine émission. Ouais. On en parlera, mais il faut en parler parce que ça a été... Ça nous a donné de l'envie et de la force pendant ces moments tellement difficiles du Covid. On va écouter ton morceau coup de cœur. C'est le groupe Fine. Oui. Allez, on l'écoute et puis tu nous en diras deux mots juste après. Très bien. Ça marche. On vient d'écouter Fine, c'était ton coup de cœur. Célina, tu peux nous en dire deux mots? J'ai dit quelque chose parce oui, que... parlez de Fine. Fine, il vient de la côte ouest du Canada. C'est un groupe d'une femme nommée Max Pitet, je pense. Elle a travaillé dans un bar où j'ai joué et... Et puis, j'ai joué une autre fois. Je suis allée, c'était à une ville nommée Nanaimo, en la côte ouest de Colombie-Britannique. Et la deuxième fois que j'ai joué, là, elle a acheté tous mes CD, tous. Et puis, la troisième, et elle m'a donné son CD. Et gratuit. Donc, cette fois, OK, si tu veux. Et normalement, quand les gens me donnent toutes leurs CD, j'ai pas le temps de... Je n'aime pas toujours toutes les musiques dans le monde. Donc, mais cette CD, j'ai aimé beaucoup au début de fin. J'ai écouté beaucoup, plusieurs fois et c'était une was a nice find, une chose que j'ai trouvé, que j'ai aimé. Une belle trouvaille. Une belle trouvaille, merci. Non mais il est bon. Hein. Oui, oui. I have to have you with me every day. If I have the time to be a player. En tout cas, c'est une belle découverte. Merci Célina de nous l'avoir fait partager. Tu disais que Fine avait acheté tous tes albums. On a seulement parlé de l'album... de 2016, donc ça veut dire qu'il y en a plein d'autres. Il y a quatre de la mienne et un album qui est un album que j'ai fait avec quatre autres musiciens canadiens. Et je suis maintenant en train de faire mon sixième album solo. Donc. Ouais, donc il y en a pas mal. Donc tu as quoi? Tu as une cinquantaine de compositions minimum. Je suppose. Tu vois que oui. Tu n'as pas compté. Bien sûr. Facilement. Très bien. Et est-ce que tu peux décrire une évolution dans ce que tu pratiques depuis tes 6 ans jusqu'à aujourd'hui? Une évolution dans ton style, dans ta manière de travailler? Maintenant, mon manière de travailler est différente à cause de l'épidémie, parce que j'essaie de faire un enregistrement à distance. Depuis printemps de l'année dernière, j'ai une session par semaine à distance avec mon éditeur de son et à Toronto. Donc
je fais du travail chez moi, je lui ai envoyé des choses et puis nous travaillons ensemble avec un écran partagé. Donc, et puis j'ai envoyé les choses à les autres gens pour ajouter le violon, par exemple, le batterie, le basse, des choses. Beaucoup de temps de faire un enregistrement comme ça, mais j'adore utiliser le studio comme un instrument. J'adore essayer d'utiliser le studio au maximum de son potentiel pour les arrangements, les effets, les plugins, le collage, le editing. I don't know. Donc, il faut beaucoup de temps, mais j'aime ça. Les chansons en live ne sont pas les mêmes choses que sur l'album, et je préfère ça. Mais je sais, parce qu'ils sont des choses complètement différentes. Le studio est une chose qu'on peut utiliser, ou pourquoi pas. Donc, mais j'essaie en live d'avoir la même énergie, de trouver un arrangement, une cool chose à faire. Des fois avec des pédales solo, s'il y a un sono, et des fois tout acoustique avec rien, et des fois avec un groupe. D'accord, merci Céline. Moi, ce qui me surprend, tu peux te réinstaller pour la suite de la session, s'il te plaît, Céline. Tu peux te relever pour la suite de la session. Ce qui me surprend quand même en t'écoutant parler, c'est que tu habites en France depuis en gros de 2017, si j'ai bien suivi, et pourtant tout ton réseau reste à l'étranger. Tu tournes à l'étranger, tu joues avec des personnes étrangères, tu travailles en visio avec Toronto. Enfin voilà, c'est. J'aimerais te comprendre quelle est vraiment l'inspiration canoise dans tes morceaux. Voilà, Céline est en place. On va faire la suite de la session acoustique. Smile and the world smiles with you. Cry and you cry alone. If you're wise, you will hide the tears in your eyes, and you won't be all on your own. Ooh, if happiness like a butterfly flutters by your door, never catch him to bring inside. Oh, for he won't survive. Believe me, I tried. Just be glad, and new dreams will find you. Be sad and be left alone. Keep your friends by your side. Don't show 'em you're crying. Disguise it till time lets you know that a free butterfly needs a clear blue sky. And smile as you watch him. De notre époque, mais j'ai écrit ça récemment. Donc je n'ai pas un style. Je ne me limite pas à un seul style de musique. Je fais les styles que je fais. Ce qui te passe. Smile, j'imagine qu'il est positif ce morceau, alors que les deux précédents, et non, même pas, à ton sourire. Non, c'est une chanson d'avoir perdu quelqu'un, encore. Ah, encore. Ton inspiration est dans la perte. Oui, il dit smile. Garde-le. Même si vous n'avez pas de bonheur.
D'accord. C'est quelque chose comme ça. D'accord, 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 c'est Lina. Bah tant pis. Non, je ne suis pas triste tout le temps. Bah non. Non, 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 je gardais ça pour mes chansons, des fois, mais pas tous les jours. Tu as donc plus l'aspiration dans le sombre que dans le gay, tout simplement, mais ce qui est plus facile, est plus inspirant, le malheur est plus inspirant pour l'écriture que le bonheur, d'une manière générale. On est trop vite encore pour moi. Je sais. Excusez-moi. Le malheur, oui, est plus inspirant pour écrire, oui, peut-être, que le bonheur. Si, j'en suis convaincu. Malheureusement. Moi. J'en suis convaincu, Jacob. Tu. Je suis assez d'accord, oui, aussi. Mais j'en suis convaincu. Bon, oui, donc, enfin, écrire sur le bonheur, ça, on devient vite gnangnan. Ouais, ouais. Gnangnan. Je sais pas comment le traduire en français. Un oignon. Non, pas un oignon. Ça me fait pleurer, les oignons. C'est vrai, on en revient à la tristesse. Tu nous fais la reprise, s'il te plaît. Oui. Première fois. With your feet on the air and your head on the ground, try this trick and spin it, yeah. Your head will collapse, but there's nothing in it, and you ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Except a little fish bumped into me, so I was trying to talk to me, say, where is my mind? Ooh, where is my mind? Way out in the water, see it swimming. J'ai pensé que ce titre était à propos de ces jours-ci, un peu, parce que, I don't know, pour moi, j'ai perdu ma tête plusieurs fois pendant cette année. Eh bien, en plus, ce Pixies, ici, à l'oreille qui gratte, forcément, ça représente quelque chose, puisque depuis 25 ans, Pixies et le morceau Céciliane sont notre générique indéboulonnable. Céciliane, qui est l'instrumental, qui est une reprise d'ailleurs, qui ouvre l'album Bossa Nova des Pixies. Donc forcément, quand tu joues du Pixies ici, ça a une véritable résonance pour nous. C'est le morceau qui clôt Fight Club, ça, je crois. Possible, ça, ouais, fait très longtemps que je l'ai pas vu. Je crois. On parlait de Fight Club, il y a à l'émission avec OG Wox, et ce soir on entend Where Is My Mind, donc je crois que c'est ça. C'est le générique de fin de Fight Club. Je pense que c'était dans Trainspotting. Ah, peut-être aussi. Peut-être aussi, oui. Ah, bah, je ne sais pas les autres. Non, non, mais c'est pas grave. Très bien. Fun test. On n'a pas, en entendant Pixies, je me rends compte qu'on n'a pas parlé des autres, des influences. Et effectivement, Pixies, mais bon, on pense plus à des choses comme PJ Harvey, d'ailleurs, en t'écoutant. Mais c'est quoi les grands inspirateurs pour toi? Pour moi, quand j'étais jeune, j'ai écouté Queen. les albums, les premiers et deuxième albums de Queen, A Night at the Opera and A Day at the Races, plusieurs fois, avec
Ma sœur et mon frère, et je connais tous les notes, tous les espaces, toutes les choses. Et puis, après, quand j'étais en école secondaire, j'aimais le new wave un peu, le punk un peu, le jam, Clash, Boomtown Rats, choses comme ça. Et puis, Talking Heads, ouais. Bjork, David Bowie, mais aussi les auteurs-compositeurs comme Leonard Cohen, Neil Young, Joni Mitchell, les Canadiennes, voilà. Donc, peut-être c'est pourquoi je fais un mélange de styles comme je fais, parce que j'adore la musique, le bien musique. Donc, c'est plus intéressant de faire un mélange. J'ai récemment commencé à entendre votre Serge Gainsbourg. Ah bah. Voilà. Bah, c'est pas rien. Comment ? Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. C'est très, 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 très bon, Serge Gainsbourg. Oui. Ce n'est pas rien. Oui, c'est quelque chose. Voilà, merci, j'ai compris. Enfin, alors, j'adore vraiment. Et je pense qu'il fait un peu de la même chose. Il fait son propre style, avec beaucoup d'autres styles de musique. Il a beaucoup piqué, Gainsbourg. Oui. Je suis d'accord. Donc, ouais, cool. Et il sentait venir le vent et il savait devancer souvent la mode. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. S'inspirait pas mal de musique classique aussi. Oui, bah complètement. Grand fan de Chopin, je crois. Il l'a plagié même. Puisque, mais c'est vrai, oui, Chopin. Oui, c'est ça, Chopin sur Jane B. Oui, et aussi il utilise des fois plus qu'un time signature. Comment dire? 4-4 time et aussi 3-4-6-8 time. C'est pas 1, 2, 3, 4, tout le monde, tout le temps. On parle de mesures composées, je crois, des mesures impaires. Mesures composées. Impaires aussi, oui. Impaires. Et puis il change à 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc je fais la même chose. Des fois, je mélange des time signatures en anglais. Et puis il aimait bien les accents, Serge Gainsbourg. Il aimait bien. Les accents, Jane Birkin. Ah oui. Les accents anglo-saxons. Ah voilà. Ben oui. Ben oui, bien sûr. Voyons. Puis bon, oui, Gainsbourg, je suis fan absolu, mais oui, je suis convaincu qu'il a traversé les frontières et j'ai revu il y a vraiment pas longtemps le Tarantino Boulevard de la Mort. Quel est le titre en anglais, tu sais, toi? Je sais même plus. Ah ouais, je sais pas, bon, en anglais, non. Je ne connais pas le titre. Et le générique de fin, justement, c'est « Laisse tomber les filles ».« Laisse tomber les filles », ouais, voilà. Par France Gall. Mais on parlait tout à l'heure de la musicalité de la langue française pour les musiques actuelles et pour le rock en général. Je pense qu'un des meilleurs paroliers français qu'on ait eu, c'est bien Serge Gainsbourg. Même si, c'est vrai que je suis pas très très fan de sa musique, mais... Quand même, on peut reconnaître que entre lui et Bertrand Cantat ont été des paroliers qui ont vraiment fait sonner cette langue, quoi. Et pas facile. Non. Je suis bien d'accord avec toi. Je trouve pas ça mélodieux, le français. C'est Death Proof. Parce que j'ai fait gaffe à l'accent, là. Le titre anglais de Boulevard de la Mort. Il nous reste un peu de temps. Tu peux faire un morceau supplémentaire ou tu n'as pas répété d'autres? Je peux faire quelque chose de mon dernier album. Avec grand plaisir. Ok. Profitons-en, puisqu'on a un peu rap de temps. Donc on en profite pour poursuivre la session de Célina Martin. Je regarde Arthur, il est d'accord, on a le hockey du boss. Donc on peut poursuivre la session acoustique de notre invité de la soirée sur Agora Côte d'Azur. It's for Tom and Antibes. And when the city fell. Our captors did as well, and those desires never known. We finally let them go, and what they know is only what they know. I'll give you whatever you want. I'll give you whatever you want. With the
I'll give you whatever you want. I'll give you whatever you want. Come together over me. Let the excess set you free. As the world turns, as the world turns, what we all know, we can unlearn. Come together over me. And I am we as you are me. One and one and one is three. East looks north and west faces south. Still I just lie in bed and stare at your mouth. What I know is only what I know. I'll give you whatever you want. I'll give you whatever you want. Come together over me. Let the axis set you free. As the world turns, as the world turns, what we all know, we can unlearn. Come together over me. I'll give you whatever you want. I'll give you whatever you want. Merci. L'île déserte sur l'oreille qui gratte. Célina, pendant que tu concluais ce morceau, tu n'as peut-être pas entendu le jingle de notre île déserte, donc il est venu l'heure de te demander ce que tu apportes sur l'île déserte, et je trouve que le morceau était tellement beau, tellement émouvant, que j'ai du mal à poursuivre l'interview d'une manière traditionnelle, honnêtement. Donc tu pars sur une île déserte, disque, livre, film. Ok, c'était difficile de penser d'une disque parce que je ne veux pas entendre la même chose que une chose que j'aime vraiment trop de fois. Oui, on s'en lasse. Donc, mais j'ai pensé aussi que si je suis sur une île déserte, il faut avoir de la musique de Neil, donc Harry Belafonte. Harry Belafonte. En français, on dit Harry Belafonte. Ah, wow, merci. C'est du calypso. D'accord, oui, non, mais je vois ce que c'est avec la traduction. Harry Belafonte, Coconut Woman. Coconut Woman, c'est une chanson excellente. C'est un earworm, je ne peux pas... Alors, et livre... Ah, je suis en train de lire un livre, American Dirt, by Janine Cummins. C'est un livre incroyable. C'est une femme de Mexico avec son petit-fils qui leur famille a été toute tuée par les drug lords. Donc c'est une histoire de escape, échapper à l'États-Unis, et c'est incroyable. Et film. Je pense que Topsy Turvy by Mike Lee, mais peut-être j'ai dit ça la dernière fois, je sais pas. Ah, je me souviens plus, il y a 3 ans, tu sais. Braface. ou Rosencrantz and Guildenstern are Dead by Tom Stoppard. Ils sont les deux... En français, ça doit être... Je connais pas du tout ce film. Le réalisateur, d'ailleurs. Ils viennent de Royaume-Uni, les deux. Il vient de... Donc, ouais. D'accord. Eh bien, merci, Célina, pour cette île déserte. Merci. Merci surtout pour cette émission. C'est un plaisir. Et merci à Noël pour m'avoir invité. Ah, est formidable, ce Noël. Merci, oui, effectivement, à Noël pour t'avoir invité, pour tout ce qu'il fait d'une manière générale, et en particulier pour l'oreille qui gratte, puisque c'est un défricheur incroyable. Je ne sais pas comment il connaît tous ces groupes.
ça bouillonne dans son cerveau. On l'adore, Noël. Mais merci à toi d'être venu. Ça faisait longtemps, on est vraiment heureux de t'avoir revu. Tu connais le chemin. Oui, je connais le chemin maintenant. Maintenant, voilà. Oui, c'est un cool chemin. Donc tu n'hésites pas à revenir, et puis le jour où on a une vie culturelle qui reprend d'une manière traditionnelle, s'il y a des dates de concert, quand tu auras achevé l'album dont tu nous as parlé. Oui, très bien. Tu nous fais signe, et puis on refait une émission. Mais c'est sûr. Et sûrement. On fait venir un traducteur. Parfait. Je reviendrai. Excellente, parfait. Voilà. Et bien on va se quitter avec le morceau « Bike ». Tu peux en dire un mot de toi ? Bah, j'adore mon vélo. Ah, tout simplement. C'est de la liberté, mon vélo. C'est un morceau qui n'est pas sombre, pour une fois. Voilà. Voilà. On finira sur cette note, alors. Merci, Célina. On t'applaudit, ta mariée. Merci. Merci beaucoup. My hand.